Quand on a une planche, quand on est gamin, on a un jouet et on a quelque chose de très très important dans les mains. Surtout à l'époque, c'était relativement cher d'avoir une planche. Donc on se l'accapare complètement et on va la customiser, on va la gratter, on va faire des dessins dessus, on va le dessus, l'antidérapant qu'on appelle le grip, on va le peindre. Donc dans le garage à mon père, j'ai découpé les planches. J'ai découvert par moi-même en fait des techniques de menuiserie que j'ai confirmées après quand j'ai décidé d'être menuisier. Quand je fabrique des planches, je colle des lames de bois de plaquage sous presse, sous plusieurs tonnes. Ça, c'est quand je fabrique des planches pour les skater. Maintenant, quand je fabrique des œuvres, je vais empiler les planches ou je vais creuser à l'intérieur de planches. De plus en plus, j'essaye d'utiliser des outils à main. Voilà. En termes de bruit, c'est beaucoup plus intéressant. Les bruits sont doux. Le bruit d'un outil à bois, en fait, est quelque chose de plus apaisant quand on travaille avec des outils électriques qui rongent le bois. C'est quelque chose qui est plus traumatisant pour Louis. Et vu que c'est très très long dans la journée, le fait que les bruits soient doux, ça permet d'apprécier beaucoup plus son quotidien. On peut travailler avec de la musique, voilà. Et c'est des bruits qu'on reconnaît et qu'on aime, comme le bruit du skateboard, c'est exactement pareil. Ce que je ressens quand je suis sur mon skate, c'est être vivant à l'instant présent. On enlève le reste de sa vie, les angoisses, les joies, les peines, les objectifs de vie. Et en fait, on est vivant tout de suite. On se déplace, il y a vraiment une notion de mouvement. L'idée, en fait, d'être libre, en fait, dans le mouvement. C'est vraiment ce que peut ressentir, enfin c'est ce que je ressens, mais c'est ce que ressent, je pense, tous les skateurs. Pour la création, c'est exactement pareil. Si on se concentre sur quelque chose, on est vivant à un moment donné et on est en pleine conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. On fait les choses déjà pour soi, pour son bien-être. Et on le fait aussi pour les autres en termes de communication et de considération, montrer que voilà, on est là, on est vivant, on existe.